Yuck, Edmonton Keanu Swim Club. Lane 3, Wesley Gregg, Club Warriors. Lane 4, Luke Boudreau, Wolf Will Triton Swim Club. Lane number 5, Ian Plekta, Valley East Waves. Lane number 6, Christopher Dallin, Cascade Swim Club. Lane number 7, Chris Tobin, University of Calgary Swim Club. Dans le corridor, numéro 8 des riverains de Lévis, Jérôme Boucher. And lane number 9, Matthew Hua from the Hayak Swim Club. Chris Tobin taking it out first at the 50-meter wall, 31.06 in lane number 7. Tournant en première position à 50 mètres dans cette finale C aux 200 brasses chez les messieurs, 31.06 pour Chris Tobin dans le corridor numéro 7. Meilleure performance ce matin chez les messieurs Luc Boudreau et Wolfville Trident Swim Club, 224.16. Approaching the 100-meter wall, it's lane number 1 with a time of 107.49 belonging to Nathaniel Valeron from Camo. Prenant les devants après la moitié de la course de compléter, 1.07.49 pour Nathanael Valeron de Camo dans le corridor numéro 1. Deuxième position, Chris Tobin, et en troisième position, Luc Boudreau. Coming up on 150 meters, it's still Nathaniel Valeron from Camo. 144.15. His split there. He's followed in lane number 7 by Chris Tobin, the 50-meter leader. Coming back down the pool to some cheers from the crowd as they cross the 175-meter mark and head for the wall. Et maintenant son avance avec moins de 25 mètres à compléter. Nathanael Valeron dans le corridor numéro 1. Et ne pas oublier dans le corridor numéro 7, Chris Tobin, qui à 5 mètres de l'arrivée reprend le dessus et qui terminera d'ailleurs dans cette finale C en première position, inscrivant un chrono de 2:21.63. C final winner in lane number 7, Chris Tobin from the University of Calgary Swim Club in a time of 2:21.63.